Bonjour à tous, bienvenue dans notre troisième culte collaboratif depuis le début du confinement. Effectivement, on ne peut toujours pas se réunir dans nos salles, mais cela ne nous empêche pas de louer notre Seigneur Jésus-Christ et de l'adorer tous ensemble, chacun dans sa maison. Le programme de ce culte d'aujourd'hui, dans un instant, nous allons laisser la place au pasteur Prosper Bourane de l'Assemblée de Dieu du Port, qui va introduire ce culte par la lecture de la parole de Dieu et aussi un moment de prière, qui va donc nous présenter ce culte. Ensuite, nous allons chanter quelques chants et cantiques à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons ensuite écouter le message de l'Évangile qui nous sera adressé de la part de Dieu ce matin par le pasteur Cyril Tantot de l'Assemblée de Dieu de Saint-Leu. Ensuite, nous écouterons un dernier chant avec quelques annonces qui vont suivre et nous laisserons la place au pasteur Johan Bernard de l'Assemblée de Dieu du Port qui va terminer par quelques sujets de prière et l'action de grâce. Laissons la place au pasteur Prosper Bourane pour l'introduction de ce culte par la parole de Dieu. Frères et sœurs et amis, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien malgré le confinement qui a changé notre mode de vie et nos habitudes. C'est vrai qu'à cette heure-ci, nous devrions être réunis dans nos assemblées pour célébrer le Seigneur. Mais malgré tout, nous sommes unis chacun dans sa famille pour ce culte de louange et d'adoration. Jésus avait dit à la femme samaritaine, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Je vous propose de nous recueillir quelques instants et nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, toi qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est devant toi que nous nous tenons ce matin pour t'adorer, pour magnifier, exalter ton saint nom. Tu es le seul vrai Dieu. Oh, merci de nous avoir sauvés de la colère, de la mort, de la perdition éternelle. Tu as fait de nous tes fils et tes filles et nous sommes heureux de te servir, de t'adorer, de te célébrer. Toi, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, veuille ce matin bénir ton peuple sur cette île de la Réunion et sur la face de toute la terre. Tu vois cette épreuve que l'humanité traverse. Nous croyons que tu es le maître des temps et des circonstances et que ta main conduit toutes choses. Aussi, nous te prions de te glorifier, de te magnifier au travers de la louange et de l'adoration qui monte vers ton trône. Sois béni, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers amis, eh bien, ouvrons notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Dans quelques instants, chantons et célébrons la gloire de notre Dieu. Chez moi ou chez vous, debout ou assis, peu importe, l'important c'est de louer Dieu de tout son cœur. Ne soyons pas spectateurs de ces moments, mais vivons-le pleinement, louons, adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, mon Rédempteur vit. Alléluia. Je sais, Jésus m'a sauvé. Je sais, Jésus m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Mes fautes sont effacées. Mes fautes sont effacées. Et mon péché oublié, je le crois. Je le crois. J'élève sa bannière. J'élève sa bannière, oh, oh. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit.
Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais Jésus m'a sauvé. Je sais Jésus m'a sauvé. Son sang m'a purifié, je le crois. Je le crois. Mes fautes sont effacées et mon péché oublié, je le crois. Je le crois. J'élève sa bannière. J'élève sa bannière. Oh, oh, oh. Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Jésus nous libère. Tu m'as libéré, je te suivrai. J'élève mes mains pour t'adorer, Jésus, roi des rois. J'élève mes mains pour t'adorer, Jésus, roi des rois. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur, Jésus vit. Mon Rédempteur vit, et mon Rédempteur vit. Jésus vit. Mon Rédempteur vit. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Je te suivrai. J'élève mes mains pour t'adorer, Jésus, roi des rois. J'élève mes mains pour t'adorer, Jésus, roi des rois. J'élève mes mains. J'élève mes mains pour t'adorer, Jésus, roi des rois. J'élève mes mains. J'élève mes mains pour t'adorer. Jésus est vivant, notre Seigneur, il vit, il est vivant. Un jour, nous devrons tous quitter cette terre. Mais pour ceux qui auront cru en Jésus, ceux qui auront mis en Jésus leur confiance, ceux qui auront fait de Jésus leur sauveur personnel, et bien ceux-là, un jour, ils verront Jésus dans le ciel. Un jour, en l'air là-bas, nous serons avec Jésus dans le ciel. Un jour, en l'air là-bas.
Dans ces moments difficiles que nous traversons, nous aimerions dire, Seigneur, règne en moi, Seigneur. Nous voulons dire à Jésus, Seigneur, demeure en moi, fais ta demeure en moi, je m'abandonne à toi. Oui, Seigneur, viens régner en moi. Alléluia. De toi.
m'abandonne. Je m'abandonne. Oui, Seigneur Jésus, viens régner en moi, fais ta demeure en moi. Nous allons dans quelques instants écouter la parole de Dieu qui nous sera annoncée ce matin par le pasteur Cyril Tantôt de l'Assemblée de Dieu de Saint-Leu. Présentons ensemble, vous et moi, ces moments au Seigneur. Disposons notre cœur au Seigneur pour écouter sa parole. Seigneur Jésus, nous voulons disposer notre cœur, Seigneur Jésus, à écouter ta parole, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus, parce que malgré ce temps de confinement, Seigneur Jésus, notre âme n'est pas confinée. Notre être tout entier n'est pas confiné, mais notre âme tout entière est cachée en toi, Seigneur. Nous nous réfugions en toi, Seigneur Jésus. Nous voulons nous réfugier, Seigneur, dans ta parole, Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui est encore prêchée ce matin et qui nous sera annoncée par ton serviteur, Seigneur Jésus. Nous voulons encore l'écouter, Seigneur Jésus-Christ, et nous voulons encore, Seigneur Jésus, la serrer fort, Seigneur Jésus, dans notre cœur. Oui, Seigneur, nous aimons ta parole. Oui, Seigneur, j'aime ta parole et cette parole nous fait du bien. Bénis, Seigneur Jésus, chacun de mes frères et de mes sœurs, chacun de mes amis, Seigneur Jésus, chaque personne, Seigneur, qui se trouve, Seigneur, devant leur écran, Seigneur Jésus, pour écouter encore ta parole. Bénis les familles entières, bénis les foyers, bénis peut-être les personnes qui sont seules, Seigneur Jésus, mais on le sait très bien, Seigneur, quand on t'a dans notre vie, Seigneur, nous ne sommes jamais seuls. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, « Voici, je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu es avec nous ce matin. Bénis ces moments, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Voilà, chers amis, frères et sœurs, laissons toute la place à la parole de Dieu. Prenez avec vous votre Bible pour suivre ces moments et que Dieu nous bénisse. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Nous sommes donc actuellement confinés dans nos maisons pour célébrer le Seigneur, et cela jusqu'à la fin de cette épidémie, de cette pandémie-là mondiale, qui frappe notre île, qui frappe notre monde. Il faudra avoir une pensée particulière pour ceux qui sont atteints, bien évidemment, du virus, qui ont contracté cette maladie, qui sont peut-être aussi dans un état critique. Avoir une pensée particulière et nos prières envers tout ce personnel soignant, le domaine hospitalier, tous ces gens qui se donnent corps et âme pour la guérison et pour le relèvement de toutes ces personnes. Je voudrais avoir une pensée bien évidemment pour l'Église, pour les pasteurs de chaque paroisse de l'île de la Réunion et d'ailleurs. Nous sommes donc privés de communion fraternelle, ça n'empêche pas que nous sommes quand même en communion d'esprit les uns avec les autres et nous sommes reliés les uns les autres par le même esprit, par une même foi, par une même parole et une même passion pour la personne et pour l'œuvre de Jésus. J'aimerais vous inviter à partager la parole avec moi. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre des psaumes, dans le psaume 23. Et nous allons faire ensemble la lecture du cantique de David, l'expression d'une vraie relation avec Dieu. C'est là le thème de mon message ce matin. David nous montre qu'il entretenait une véritable relation avec Dieu. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le roi David exprime sa relation avec Dieu dans ce psaume 23 et sa relation avec le Seigneur est profonde. C'est une relation à valeur spirituelle, personnelle et intime avec Dieu. Elle est nourrie, cette relation, de sentiments de plénitude, de protection, de providence et de fidélité. Il exprime avec force et conviction sa foi vivante face au danger, face à la mort, tout en mettant en avant la puissance de son Dieu et la marque de l'onction qu'il a reçue de lui. Quelle puissante relation que celle de David entretient avec son Dieu, c'est remarquable. Il met en avant une espérance qui ne trompe pas,
C'est l'espérance qu'avec le Seigneur, le bonheur et la grâce l'accompagneront. Le meilleur est à venir et que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Nous voulons développer notre relation avec Dieu et la définition du mot « développer » nous donne à réfléchir et à considérer le côté spirituel des choses. Développer, par définition, c'est étendre ce qui était plié, c'est donner toute son étendue, sa plénitude. Synonyme du mot développer, grandir, augmenter, cultiver, fortifier, progresser ou améliorer. La définition nous parle de ce qui était plié et ne pouvait aucunement se redresser. Il n'y a pas de développement possible s'il y a une contrainte, s'il y a quelque chose qui empêche ce développement. Ce qui était appelé à se développer ne pourrait l'être car quelque chose le retenait. Et dans la vision spirituelle, ce que nous retenons dans cette définition et ce que nous retirons, eh bien, comme aspect spirituel, c'est que ce qui peut empêcher le développement de notre relation avec Dieu, c'est le péché. La Bible nous dit que ce qui est courbé ne peut se redresser. Le roi Salomon, le sage, l'Ecclésiaste, dira dans ce chapitre 1er au verset 15 que ce qui est courbé ne peut se redresser. Il fallait donc l'accomplissement d'un miracle pour nous amener au rétablissement et au redressement. Ce qui est plié, qui était appelé à se développer, ne pouvant se développer à cause du péché, il a fallu le miracle de Jésus dans nos vies pour qu'enfin nous puissions développer cette relation avec le Seigneur. Ce qui était plié s'est miraculeusement redressé par la grâce de Dieu. Ce miracle, c'est Jésus qui l'a fait dans nos vies. Autrefois, dans notre vie ancienne, nous n'avions aucune relation possible avec notre Créateur. Pourquoi ? Je voudrais l'expliquer en trois points succinctement. Dieu nous a créés pour nous avoir avec lui dans une relation établie et durable, comme bénéficiant de sa communion, de sa présence, comme en bénéficiaient Adam et Ève en Éden. L'homme a été créé à l'image de Dieu, Genèse chapitre 1er verset 26, avec les gènes de Dieu, jouissant d'une relation parfaite avec son Créateur. Puis, nous le savons, selon les Écritures, Satan a séduit l'homme et sa femme, et ainsi le péché est entré dans leur vie et par voie de conséquence dans le monde. Donc, l'homme a été dégénéré. Et malheureusement, il a perdu l'avantage de sa relation avec son Créateur. Mais par la grâce de Dieu, et là, le mot grâce prend toute son ampleur et toute sa signification, Jésus est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Il s'est offert à la croix en rançon pour nous tous, et il a racheté ainsi tous ceux qui croiraient en lui. Nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Par son Esprit, il nous régénère, il nous fait naître de nouveau, et il nous donne de marcher en nouveauté de vie. C'est ainsi que la relation avec Dieu est rétablie. Ainsi où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Épître aux Romains, chapitre 5, au verset 20. L'apôtre Paul va s'exprimer dans cet épître aux Colossiens et il va dire « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. » La pratique du péché nous sépare de toute relation avec le Dieu créateur. La pratique du péché reste un obstacle à toute relation véritable, authentique, avec Dieu. La Bible nous dit dans le prophète Ésaïe au chapitre 59, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. » Notre relation avec Dieu le Père n'est rendue possible que par la mort de Jésus à la croix. C'est le sacrifice parfait de Jésus au calvaire qui nous apporte à tous le pardon de nos péchés. Dieu nous voit, Dieu nous connaît, et nous qui avons cru et qui croyons encore, au travers du sang de Jésus son Fils, c'est par le sang de Jésus que nous sommes maintenant parfaitement réconciliés avec Dieu. C'est le précieux sang de Jésus qui nous donne accès auprès du Père dans le lieu très saint. Le voile a été déchiré, une route nouvelle a été inaugurée pour nous qui avons maintenant foi en Jésus-Christ. Qui avons maintenant audience auprès de Dieu le Père, et c'est une grâce excellente. En Jésus-Christ, tout a changé. Le pouvoir du péché qui dominait
et nos vies a été vaincu définitivement à la croix du calvaire. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens et au chapitre 2, versets 13 à 15, il dit ceci: « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. » Que le Seigneur soit béni pour sa grâce. Le Seigneur a mis en oubli toutes nos offenses, et ceux et celles qui veulent placer en lui leur confiance peuvent maintenant jouir et bénéficier d'une vraie relation avec Dieu, d'une vraie communion. Le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire a été approuvé par Dieu, approuvé de Dieu. Dieu a donné son approbation en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est par Christ, et c'est en Christ que nous pouvons maintenant avoir une véritable relation avec Dieu. Ainsi, développer une véritable relation avec Dieu est une priorité pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien que nous sommes. Alors comment développer notre relation avec Dieu? Nous ne pouvons apporter une réponse que sur des bases bibliques. Jésus est le seul chemin qui nous conduit à Dieu le Père. L'évangile de Jean nous relate ces paroles de Jésus où il va dire « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Lorsque nous parlons de notre relation avec Dieu, nous soulignons donc les réalités spirituelles de la vie chrétienne. Car la réalité d'une relation avec Dieu, c'est une réalité spirituelle. Dieu est esprit, et nous l'adorons en esprit, nous le prions. Et nous prions un Dieu qui n'est pas visible, mais qui traduit ses actions de manière visible. Et lorsque nous parlons de notre relation avec Dieu, nous soulignons donc les réalités spirituelles de la vie chrétienne, c'est-à-dire les réalités de la vie de l'esprit. Par son esprit, Jésus nous a amenés à la nouvelle naissance. C'est une œuvre qu'il a opérée en nous par le moyen de son esprit. Naître de nouveau. Et un certain Nicodème, docteur de la loi, s'est un jour approché du Seigneur pour lui faire quelque part un état d'âme. Et il avait des questions importantes qui touchent à son éternité, et ces questions, Jésus les lisait dans son cœur. Et Jésus a interpellé cet homme en lui disant: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Nous parlons là donc du baptême de la régénération, de la nouvelle naissance. Et puis il y a aussi dans la doctrine des baptêmes, une autre forme de baptême, c'est le baptême d'eau. Étant convertis à Jésus-Christ, nous avons choisi de nous engager à le suivre, Jésus, à le suivre conformément aux Écritures. Et le baptême d'eau, c'est donc non pas une purification de nos péchés, mais c'est un engagement que nous prenons de bonne conscience à marcher avec Jésus, et à le suivre, et à entretenir une relation quotidienne, une relation vivante. La Bible nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc, chapitre 16, verset 16. Nous nous sommes convertis à Jésus, nous avons choisi de nous engager à le suivre, et conformément aux Écritures, nous sommes passés par les eaux du baptême. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, et nous parlons là encore d'un autre baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est merveilleux de vivre ces expériences avec Dieu. Nous avons connu, pour ceux qui croient, nous avons connu le baptême de la régénération. Le Saint-Esprit a fait de nous de nouvelles créatures. Et nous sommes maintenant capables de marcher en nouveauté de vie. Nous sommes régénérés en Christ. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons choisi de nous engager avec Jésus, de nous engager à le suivre. Et nous avons aussi vécu et expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit. Et le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, mais il a répandu sur nous le Saint-Esprit qui avait été promis. Il nous a baptisés du Saint-Esprit. Le prophète Jean-Baptiste prêchait et disait « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, dit-il. Et lui, il vous baptisera
du Saint-Esprit. Marc chapitre 1er, versets 7 et 8. Jésus a enseigné au sujet du Consolateur, de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et ce qu'il a enseigné est important. J'aimerais m'y arrêter quelques instants. Ce passage se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, versets 13 et 14, où il est dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et dans l'optique, la perspective de développer une meilleure relation avec notre Dieu, j'aimerais pouvoir m'arrêter sur quelques points de ces deux versets que nous venons de lire. Il vous conduira dans toute la vérité. Notre relation avec Dieu a pour but de nous laisser conduire dans toute la vérité. Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. L'Esprit de Dieu, qui agit dans nos vies, est en mesure de nous conduire dans toute la vérité, non pas une partie, mais dans toute la vérité. Et ce qui est important de retenir, c'est que notre relation avec Dieu doit être donc influée, produite dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Il est dit ensuite, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Notre relation avec Dieu nous apporte la pleine connaissance de la volonté du Père, afin que nous l'accomplissions. La volonté de Dieu, elle se fait connaître à nos cœurs. Et que faisons-nous avec la connaissance que nous avons de la volonté de Dieu? Nous devons, eh bien, avec nos forces, avec nos cœurs, avec nos pensées, avec notre âme, l'aimer et ainsi accomplir la volonté qu'il nous fait connaître. La volonté de Dieu, ses commandements ne sont pas pénibles, la Bible dit. Et nous aimons le Seigneur et nous voulons connaître sa volonté afin de l'accomplir. Il est dit aussi dans ce verset, il vous annoncera les choses à venir. Lorsque le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous annoncera les choses à venir. Notre relation avec Dieu nous permet d'avoir du discernement au sujet des réalités actuelles, tant dans le domaine spirituel, avec la séduction et la multiplication des fausses doctrines et des faux enseignements. Il nous enseigne les choses à venir. Il nous montre à l'avance, eh bien, que les temps sont difficiles, que le monde est sur son déclin et qu'il y a une grande confusion spirituelle qui essaye d'atteindre et de séduire les croyants. Il nous annonce les choses à venir aussi, tant dans le domaine moral, avec la décadence qui s'accentue et le péché qui s'accroît. C'est pourquoi ne soyons pas troublés des choses qui s'accomplissent aujourd'hui sous nos yeux. Nous vivons des moments difficiles, nous sommes témoins, malheureusement, de ces choses. Cependant, que notre cœur, eh bien, soit tout à Jésus. Ne soyons pas troublés par les événements. La Bible dit aussi dans ces versets, quand le Consolateur sera venu, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ces paroles de Jésus sont extraordinaires. Elles nous permettent d'entretenir, de développer une relation extraordinaire aussi avec lui. Notre relation avec Dieu nous permet de recevoir et de développer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2 verset 5. Afin de tout faire pour la gloire de Dieu. Jésus dira, quand le Consolateur sera venu, il me glorifiera. Et l'Esprit de Dieu agissant dans nos vies, nous soutenant, nous conduisant dans une meilleure relation avec Dieu, nous poussera toujours à chercher la gloire de Dieu. Alors, si nous voulons des réponses concrètes pour être à même de développer notre relation avec Dieu, lisons notre Bible, lisons les Évangiles, regardons attentivement à la vie de Jésus décrite dans les Écritures. Soyons les imitateurs de Christ. L'apôtre Paul nous le rappelle dans son épître aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 1er. Nous faisons une remarque importante, elle n'est pas des moindres. La qualité de notre relation avec Dieu va déterminer la qualité de nos relations avec les autres. Je répète, la qualité de notre relation avec Dieu va déterminer la qualité de notre relation, de nos relations les uns avec les autres. Si notre relation avec Dieu est bonne et qu'elle se développe, alors nos relations humaines en seront impactées, tant dans les relations familiales, tant dans nos relations fraternelles, avec les chrétiens, les chrétiennes de l'Église, tant dans nos relations avec nos semblables, avec notre prochain. Ainsi, veillons à développer cette qualité de relation avec Dieu. Nous cherchons à avoir toujours l'approbation de Dieu sur nos vies.
Qu'est-ce qui va favoriser notre relation avec Dieu? Qu'est-ce qui va nous permettre de développer cette relation? Tout d'abord, la prière. La prière par un dialogue avec Dieu, une véritable communication avec Dieu, une vraie conversation, un véritable partage. La prière, c'est le rendez-vous pour chacun d'entre nous qui nous permet d'aller à la rencontre de Dieu. Ensuite, nous pouvons dire que ce qui favorise notre relation avec Dieu, c'est la lecture, la méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a été donnée afin que nous puissions la lire, la méditer, l'étudier et bien évidemment pour en comprendre le sens, la vivre et la mettre en pratique. Il y a aussi la prière en langue avec la richesse du baptême dans le Saint-Esprit. Nous venons d'en parler brièvement. Prier selon l'Esprit. La prière en langue est une richesse pour chacun des croyants et c'est ce qui favorisera notre relation avec Dieu. Le témoignage de Jésus dans nos vies, n'ayons pas honte de l'Évangile, témoignons de la grandeur et de l'amour de Jésus, de ce qu'il a fait dans nos vies, de ce qu'il peut faire dans la vie de ceux qui écouteront ce témoignage. Nous pouvons aussi dire que la louange et l'adoration vont favoriser notre relation avec Dieu. Prenons le temps d'adorer Dieu, de le louer pour ce qu'il est, de le louer pour ses grâces, pour ses bienfaits dans nos vies. Et puis il y a aussi le service pour le Seigneur. Nous sommes, en tant que chrétiens, chrétiennes, tous appelés à le servir. La Bible nous dit que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Et le service pour le Seigneur qui consiste à servir les autres. Toutes ces choses vont favoriser le développement de notre relation avec Dieu. Ne l'oublions pas, notre relation avec Dieu est avant tout spirituelle, elle est affective et elle est pratique. C'est en pratiquant ces choses toutes simples que nous allons développer cette relation de foi, cette relation d'espérance et cette relation d'amour avec le Seigneur. L'apôtre Paul dira dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, un chapitre qui est voué à l'amour, à ce qu'est l'amour et à ce qu'il n'est pas. Et nous avons dans ce chapitre 13 une richesse d'enseignements sur le thème de l'amour, de la charité, de l'amour de Dieu. Et il est dit dans ce chapitre 13, dans le dernier verset de ce chapitre, verset 13, il est dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Et la plus grande des choses, c'est l'amour. Mais en pratiquant ce que nous venons de détailler, la prière, la lecture de la Bible, la prière en langue, le témoignage, la louange, l'adoration, le service, toutes ces choses vont contribuer au développement de notre relation avec Dieu. Une relation de foi, une relation d'espérance, une relation d'amour. Le roi David, dans ce psaume 23, a donc transmis au travers de cette pensée l'expression de sa profonde relation avec Dieu. Comme nous devons aussi le faire au quotidien de nos vies, et surtout dans ces moments de détresse que connaît notre monde actuel face aux événements qui ne sont que les prémices de ce qui va arriver en s'intensifiant dans les temps à venir. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, nous n'avons qu'à retenir les paroles de Jésus lorsqu'il dit dans Jean chapitre 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Nous avons vraiment besoin d'entretenir notre relation avec Dieu. Alors en conclusion, notre relation avec Dieu doit s'affermir de jour en jour. Il est de notre devoir d'enfant de Dieu de soigner la chose et d'aspirer sans cesse à une plus profonde communion avec Dieu. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous dit l'Écriture. Tout ce qu'il nous faut pour une relation véritable avec celui qui nous a délivrés de nos ténèbres et qui nous a appelés à son admirable lumière. Alors que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu, et que la communication du Saint-Esprit soit avec tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je laisse maintenant la place à la suite du programme. Reste en éveil et va donc sur la route de la vie. Jésus te tient la main. Il est là près de toi pour assurer ton destin et surtout ne crains pas les lendemains. Reste en éveil, rempli de foi. Reste en éveil, digne est le roi. Reste en éveil, quand vient la nuit. Reste en éveil.
reste en éveil. Le soleil, lui, reste en éveil. Quand vient la nuit, il parle et il peut ouvrir le chemin. Reste en éveil, reste en éveil, reste en éveil. Route de la vie, Jésus te tient la main. Il est là, près de toi, pour assurer ton destin. Et surtout, ne crains pas le lendemain. Reste en éveil, rempli de foi. Reste en éveil, digne est le roi. Reste en éveil, quand vient la nuit, il est là et il ouvre le chemin. Reste en éveil, en son nom. Merci à Ivy pour ce chant. Reste en éveil, restons en éveil. Nous ne pouvons pas nous réunir dans nos salles, mais peu importe, restons attachés à la parole de Dieu, restons accrochés à sa parole, méditons-la jour et nuit, comme le Seigneur nous le recommande dans sa parole. Le Seigneur est là, il est près de toi. Laissons à présent la place à quelques informations avec Vanessa. Bonjour à tous, si vous souhaitez davantage d'informations, je vous encourage à vous connecter sur le site addreunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de La Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels des Assemblées de Dieu de La Réunion, ainsi que les coordonnées de chaque pasteur selon votre région. Vous trouverez également sur ce site les différents sujets de prière. Nous vous encourageons également à écouter les radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, dans le sud et dans l'est, et RM9 qui, elle, diffuse dans l'ouest. Vous y trouverez des prédications, des chants chrétiens. Et si vous souhaitez également avoir davantage d'informations sur les programmes vidéo de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous souhaitons à tous une très belle journée, une très belle semaine et que Dieu vous bénisse. Merci à Dieu de nous avoir permis de passer ce moment tous ensemble, vous chez vous, moi ici à la maison. C'est merveilleux de vivre ces moments avec le Seigneur parce qu'on sait que peu importe la situation, quand on se confie en Dieu, le Seigneur il est là. Quand on l'invoque, le Seigneur il est près de celui qui l'invoque. Merci Seigneur pour ces moments et merci à vous d'avoir partagé ces moments avec nous. Juste après ce culte, vous pourrez suivre un message en direct sur les radios RM9 et Radio Vie pour ceux qui n'ont pas internet et qui n'ont pas pu suivre ce culte sur les réseaux. Si vous connaissez des personnes qui n'ont pas internet, invitez-les à écouter la parole de Dieu aussi sur Radio Vie et RM9. Il y a des personnes, on l'a appris cette semaine, qui n'ont ni internet et qui ne captent pas ni Radio Vie ni RM9. Et à 12h45 sur Télécréole, il y a une émission évangélique spéciale faite pour ces personnes-là. Donc connectez-vous sur Télécréole à 12h45 pour écouter le message de l'Évangile. Avant de laisser la place au pasteur Johan Bernard, peut-être quelques informations. La semaine prochaine est une semaine un peu particulière, c'est la semaine de Pâques et nous avons mis en place un programme particulier qui va commencer dès lundi avec 5 soirées d'évangélisation. Donc n'hésitez pas à partager l'information. Vous aurez plus de renseignements dans l'après-midi sur vos sites officiels vie.re et addreunion.fr. Donc dès que l'information sera disponible, partagez-la pour que le plus grand nombre puisse suivre ces soirées d'évangélisation. Donc ça sera à partir de lundi jusqu'à vendredi. Et le week-end de Pâques,
Eh bien, il y aura aussi là un programme particulier. Restez connectés et suivez ces informations. Voilà, moi j'étais très heureux de passer ces moments avec vous. On laisse la place au pasteur Johan Bernard qui va terminer par quelques sujets de prière et par l'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes amis. Bonjour à tous. Voilà, nous avons été très heureux de partager ce culte avec vous. Nous espérons que cette parole que vous venez d'entendre vous a apporté le plus grand bien. Nous voulons vous encourager, bien évidemment, à placer toute votre confiance dans l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et comme notre frère, le pasteur Cyril Tantos, ce matin l'a si bien dit, nous voulons garder cette communion avec Dieu par la prière, par la parole, par la communion du Saint-Esprit, car nous croyons que notre Dieu est esprit et que notre Dieu est vivant. Alléluia! Nous voulons terminer ce temps de partage avec quelques actions de grâce, mais aussi les requêtes de prière. Alors, vous avez été très nombreux à nous solliciter via le site vie.re, via la Radio Vie, via la Radio Mixte 9. Beaucoup nous ont fait part des sujets de prière, de quelques requêtes, que ce soit les concernant ou concernant des membres de leur famille qui parfois même sont en métropole ou à l'étranger. Alors nous voulons résumer toutes ces requêtes de prière ensemble et les placer devant le Seigneur. Nous ne pourrons pas tous les énumérer, bien évidemment, il y en a beaucoup, mais nous croyons que Dieu connaît chaque cas et chaque situation en particulier. Nous allons aussi prier pour les autorités qui nous gouvernent afin que Dieu les bénisse, que Dieu leur apporte les meilleurs conseils afin que nous puissions vivre et mener une vie paisible et tranquille au milieu de cette société. Nous voulons penser au personnel médical, que le Seigneur les aide et leur donne la force et le courage de faire face à cette crise sanitaire. Nous voulons aussi prier pour les membres de nos familles, les amis, les chrétiens de nos églises qui sont isolés, qui sont seuls. Nous ne manquerons pas de prier pour vous afin que le Seigneur vous aide et vous accompagne dans ces temps difficiles. Et aussi nous voulons prier bien évidemment pour toutes les familles, tous les foyers qui sont en ce moment même confinés chez eux. Que, chers amis, bien-aimés, le Seigneur vous accorde toute la grâce dont vous aviez besoin. Si vous voulez bien, je vous invite à votre place chez vous, à vous recueillir quelques instants avec moi et nous allons ensemble demander à Dieu sa grâce afin qu'il nous bénisse. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous te demandons, Seigneur, de venir en aide à toutes ces personnes qui, au travers de leurs requêtes de prière, nous demandent leur l'assistance, que nous puissions nous souvenir de chacun d'entre eux. Et toi qui vois ces personnes, toi qui vois ces malades, toi qui vois ces gens qui sont affligés, peut-être ces familles qui sont dans le deuil, nous te demandons de les bénir les uns et les autres, de les consoler, de les fortifier et de les réconforter dans ces temps difficiles. Nous voulons prier notre Seigneur, notre Dieu, pour tous ceux et celles qui nous gouvernent, toutes ces autorités, que tu leur accordes l'intelligence, le savoir-faire pour donner à notre pays les meilleures directives, Seigneur. Accorde également ta grâce à tout le personnel médical afin qu'ils puissent prodiguer les soins les meilleurs à tous ces bien-aimés qui sont dans les hôpitaux, dans les centres, dans les cliniques ou peut-être à domicile. Seigneur, encourage et fortifie le personnel médical. Accorde-leur la science, la sagesse, l'intelligence pour qu'ils apportent les meilleurs remèdes, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse y avoir au milieu de cette société. Nous te prions pour nos amis qui sont en métropole ou dans des pays étrangers, que Seigneur tu les aides, que tu les bénisses, ceux qui ont été contaminés par ce virus. Nous te prions d'étendre ta main sur leur vie, de les guérir Seigneur et de te révéler à leur cœur. Tu vois également Seigneur ceux qui sont dans le deuil, soutiens ces familles, console-les Seigneur ce matin et mets un baume, le baume de ta parole sur leur cœur parce que tu es le Dieu de toute consolation. Nous prions pour nos églises à l'île de la Réunion, pour les serviteurs de Dieu, les servantes et aussi tous ceux qui sont
sont membres de nos églises, ceux qui sont seuls, ceux qui sont isolés, ceux qui sont peut-être hospitalisés. Seigneur, viens les bénir ce matin, viens encourager chacun dans son foyer, dans sa chambre, même ceux qui sont dans les prisons, dans les lieux d'incarcération. Seigneur, bénis-les ce matin s'ils sont avec nous par les ondes d'Internet ou de la radio. Nous voulons te demander ta grâce sur cette journée. Garde chacun de nos foyers, chacune de nos familles dans ta grâce et dans ta bienveillance. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait ce matin et que tu puisses renouveler notre communion, notre consécration avec toi, comme tu nous l'as dit ce matin par la prédication de l'Évangile. Que ton nom soit béni, glorifié et élevé. Merci notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous étions contents de partager ces instants avec vous. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très belle journée. Que le Christ, que l'œuvre de la croix soit gravée dans votre cœur et que vous puissiez partager ces instants, ces moments de communion avec les membres de vos familles, avec vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse pleinement, que la grâce de Dieu, que l'amour du Seigneur, que l'assistance du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.